Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Vous qui êtes amis donc de la chaîne de l'excellence de la fréquence de développement ETL, une nouvelle tribune. Vous êtes désormais en fait sur la chaîne de l'excellence. Il s'agit bien évidemment de votre émission Mercredi Politique. C'est pour une meilleure compréhension de l'actualité nationale. Mercredi Politique s'installe dès à présent chez vous. Vous savez, la journée du 1er avril 2019 a été marquée par la séance de concertation tenue entre le chef de l'État et les présidents des institutions constitutionnelles élargies aux médiateurs de la République et au président de la Sénat. La décision qui y est issue, c'est bien la poursuite du processus électoral. Elle résulte en effet du défaut de consensus au Parlement. Le gouvernement, à la faveur du Conseil des ministres de ce 3 avril 2019, donc d'aujourd'hui, rassure qu'il prendra les dispositions nécessaires à la bonne tenue du scrutin législatif du 28 avril 2019. Le consensus était-il impossible? Nous sommes dans la légalité ou non? Voilà autant d'interrogations que nous tenterons d'aborder au cours de cette émission, de ce premier numéro de votre émission Mercredi Politique. Bienvenue à tous. Et pour l'exercice, nous avons invité quatre valeureux citoyens de ce pays. Je voudrais bien vous les présenter. Le premier, ah non, Marino de Souza, il est administrateur électoral, il est acteur de la société civile, membre de Africa Élections. Il occupe d'ailleurs le poste de secrétaire général adjoint. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci pour la disponibilité. C'est moi. À vos côtés, nous avons Christian Parfait Aoyo. Il est membre du Parti du Renouveau démocratique. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci pour la disponibilité aussi. Merci aussi. En face de vous, nous avons Patrice Runyeva. Il est membre de l'Union progressiste. Bonsoir, cher invité. Bonsoir, mon cher ami. Merci pour la disponibilité. Et pour compléter, donc, voilà. Ces invités, ce plateau, il y a Maître Jacques Migan, ancien bâtonnier. Il est bien membre du bureau politique du Bloc républicain. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et je profite pour saluer nos téléspectateurs pour ce premier numéro de Mercredi que nous Politique. Allons, Et ils sont mercredi, nombreux que à nous allons prendre. partager avec les uns et les autres. Voilà. Ils sont nombreux à nous suivre. Merci pour la fidélité toujours renouvelée donc au programme de ETL. La première question, je la pose à Marino de Souza. 1er avril 2019, je le disais, deux événements dans la même journée. Défaut de consensus au Parlement, la concertation avec le chef de l'État, les présidents, donc le collège des présidents des institutions. La poursuite du processus électoral a été décidée. Quelle lecture vous en avez faite? Merci, cher ami. Mais de notre position, de ma position à moi, de citoyen bien entendu, mais d'acteur de la société civile, c'est avec beaucoup d'amertume que nous avons, quand bien même il y avait des signes que les acteurs politiques nous conduisaient à ce que nous avons eu. C'est avec beaucoup d'amertume que nous avons constaté que le consensus n'a pas pu être obtenu à l'Assemblée nationale. Et c'est dommage. Beaucoup, pendant que nous nous évertuions, parce que nous avons fait, je suis dans un cadre plus global, Élargi. plus élargi, parlant des acteurs de la société civile qui travaillent à suivre le processus électoral. Nous avons fait des pieds et des mains pour jouer notre partition afin que pour accompagner ce vœu exprimé par le chef de l'État pour que après le constat qu'on a fait que certaines formations politiques n'ont pas pu réussir à entrer dans la barque, que les acteurs politiques puissent se réunir pour trouver des moyens de faire en sorte qu'il y ait plus que les élections se déroulent avec de façon un peu plus inclusive. Et nous avons constaté que les acteurs politiques, quand ils se sont retrouvés, n'ont pas eu l'impression que de part et d'autre, on a voulu réellement travailler à trouver des voies et des moyens pour sortir de cette difficulté. Parce que moi, je n'appelle pas, à mon avis, il n'y avait pas encore de crise, il n'y avait pas encore d'impasse. Il n'y avait que quelques difficultés qui ont pris possession du processus électoral, qui étaient prévisibles. Parce que nous avons anticipé, quand on a commencé à. Le processus de relecture des textes, Oui. des deux lois, avait commencé. Nous avons travaillé et nous avons attiré l'attention à chaque fois en disant attention, il y a à tel niveau, il faut faire attention, il faut faire plus clair, plus précis. Il faut. Et nous n'avons pas été écoutés parce que les acteurs politiques, ils étaient dans une logique qu'on a vue, on est en train de voir.
Bref, une fois encore, c'est avec beaucoup, beaucoup d'amertume parce que jusqu'au dernier moment, nous avons voulu croire. Et je continue personnellement de croire au génie béninois. Pour moi, tout n'est pas encore perdu. Mais c'est dommage qu'à ce niveau, on n'ait pas pu parvenir au consensus qui était à portée de main. De part et d'autre, il y a eu du dilatoire qui nous a conduit là. L'autre chose, vous avez évoqué la rencontre des présidents d'institutions. Quand nous avons appris que les présidents des institutions de la République devaient se réunir avec le président de la République, nous nous sommes dit, bon, si les, au niveau du Parlement, ce qu'on n'a pas pu avoir, il y aura certainement une décision, quelque chose qui va permettre de relancer et de pouvoir parvenir à ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'inclusivité par rapport à l'organisation des élections. Mais nous avons pris acte, en tant qu'acteur de la société civile, je prends acte de ce que, du communiqué qui a sanctionné la rencontre des présidents d'institutions. Mais quand les gens en parlent, ils disent les présidents des institutions ont fait une déclaration, ils ont dit il faut continuer le processus. Mais ils ont dit également que les acteurs de la société civile continuent, les acteurs politiques continuent de réfléchir. Pour l'amélioration des tests. Très bien. Voilà, Christian Parfait Ahouyo, le 6 mars dernier, le chef de l'État a fait, on pourrait le dire, confiance à vous, acteurs politiques. Malheureusement, le défaut de consensus. Oui, il ne pouvait pas avoir consensus puisque les dés étaient pipés. Ils étaient d'autant plus pipés qu'il n'y avait aucune volonté de trouver le consensus. La belle preuve, c'est que confier une mission, puis vous mettez tous les bâtons dans les roues. Nous avons vu les comportements des uns et des autres. Les preuves sont là, les audios sont là. Donc en réalité, moi, rien ne me surprend de ce qui arrive. C'était prémédité. Donc, prémédité. C'est pas prévisible, c'était prémédité. Je répète une troisième fois. On a bien entendu. Prémédité. En ce qui concerne... Donc, rien ne surprend. On a vu les balais, on a vu les comportements des uns et des autres, chacun tirant sur la babichette de l'autre, sachant que on arriverait à un 1er avril. C'est tout. C'est ce qui s'est passé. Pas plus ni moins. Nous y sommes. On était dans une difficulté, mais nous sommes actuellement dans une logique de crise. Très bien. Voilà. Patrice Onyeva, est-ce que vous avez la même appréhension que Christian Parfait Ahouyo en ce qui concerne, bien évidemment, ces deux choses que j'ai évoquées dès l'entame? Merci, cher ami. Je dois d'abord également saluer nos téléspectateurs. Dire simplement que je viens d'entendre de mes prédécesseurs des mots qui ont une certaine gradation. J'ai été heureux d'écouter mon cher ami Marino parler de difficultés et non d'impasse. Mais quelques minutes après, je viens d'écouter mon ami Parfait dire vraiment que là, on est en crise. En réalité, je dois dire concrètement, notre pays n'est pas encore dans une crise électorale. Je rejoins très parfaitement ce qu'a dit M. Marino pour dire qu'à un moment donné, le dispositif que nous avons mis en place pour aller à une élection, le top a été lancé. Donc la compétition a démarré. Une élection, ce n'est pas le jour des élections. C'est depuis la convocation du corps électoral, c'est l'établissement du calendrier électoral par la Sénat et c'est les différentes étapes qui doivent être traversées. Donc la compétition, elle a commencé depuis. Alors, si à un moment donné de la compétition, pendant que des étapes sont franchies, on constate que du point de vue politique, il y a des difficultés. À une difficulté politique, on ne peut pas opposer des solutions légales ou des solutions, qui sortent du cadre politique. Et c'est cela qui motive ce que le chef de l'État a demandé en disant si nous sommes d'accord que c'est une difficulté politique, le haut-lieu de la politique, c'est encore l'Assemblée nationale. Allons-nous retrouver à l'Assemblée nationale,
cherchons la solution politique. Et une fois que la solution politique sera trouvée, nous, en tant que régulateurs, nous allons accompagner. Mais mon cher ami, je crois que, et comme l'a dit l'autre, nous étions tous dans l'espérance d'avoir la fumée blanche du côté de l'Assemblée. Je viens d'entendre que les dés étaient pipés. Ça me surprend. Ça me surprend parce que c'est malheureusement de la bouche du président de ce comité qui doit faire le travail, qui dit que les dés étaient pipés. Je me demande si on peut accepter une mission, sachant dans son fond intérieur que les dés étaient pipés. Non, je pense que rien n'était pipé. Nous avons malheureusement assisté au niveau de l'Assemblée nationale à une situation où les uns et les autres proposaient des solutions qui, au lieu de nous sortir de la difficulté, créaient en même temps d'autres difficultés. Vous ne pouvez pas vouloir résoudre une difficulté et créer une autre. J'ai l'habitude de dire, si vous voulez corriger ce que vous appelez entre griffes une injustice et que cette correction consiste à en même temps en créer d'autres, je ne suis pas certain que vous allez y arriver. Et donc, malheureusement, nous avons assisté à une situation où, après plusieurs jours, on n'a pas eu la solution qu'on attendait de l'Assemblée. En même temps, comprenez-moi, cher ami, lorsque c'est comme ça et qu'une solution qui doit être politique n'est pas trouvée et qu'en même temps, beaucoup agitent que nous sommes dans un état voyou, voulez-vous donner encore de la matière à ceux-là de ne pas respecter la Constitution et les textes pour que demain, ils utilisent ça pour dire que nous sommes effectivement dans un état voyou où on ne respecte pas le dispositif en vigueur. Parce qu'au-delà de tout, on n'est pas dans un vide juridique là. Au jour d'aujourd'hui, on a un dispositif législatif et constitutionnel qui continue de régir notre pays et les différentes institutions. Et je pense que ce que les présidents d'institutions ont fait au niveau de la présidente de la République ne constitue en réalité que leur manière de dire en vérité notre pays n'est pas dans une crise institutionnelle et que les institutions continuent de fonctionner normalement et que, à défaut d'avoir un consensus pour leur permettre d'agir autrement, ils sont obligés d'agir selon ce qui est. Et ce qui est aujourd'hui, c'est les lois que nous avons aujourd'hui, c'est la constitution qui régit notre pays aujourd'hui. Et sur cette base, je pense qu'on peut y aller. Très bien. Maître Jacques Migan, sur la question, quand on n'en arrive pas à un consensus politique au niveau de l'Assemblée nationale, que devrait faire, ou c'est l'attitude que devrait avoir le collège des présidents d'institutions, bien évidemment invité par le chef de l'État? Non, monsieur le journaliste, ce qu'il faudrait voir, c'est l'esprit d'ouverture du chef de l'État, où il a démontré tout son talent d'homme d'État, l'homme d'ouverture, pendant toute cette période. Et nous l'avions encore constaté avec l'entrevue, ou si vous préférez, la rencontre entre le chef de l'État et les responsables des différentes institutions. Je crois que, comme je l'ai toujours dit et soutenu, et je continue à le dire, nous n'avions jamais été dans l'impasse juridique, légale, constitutionnelle, puisque tout fonctionne normalement sur ce plan. C'est parce que le chef de l'État, comme je viens de le dire, homme d'ouverture, a constaté après la proclamation des résultats et surtout après la décision rendue par la Cour constitutionnelle suite aux différents recours des uns et des autres, il s'est confirmé que deux partis se retrouvent pour aller aux élections législatives, savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain. Et il se confirme que ces deux partis soutiennent les actions du chef de l'État. Et j'ai entendu ironiquement par certains dire que c'est des partis privés du chef de l'État. Ce que nous oublions, le chef de l'État, M. Patrice Talon, n'est pas propriétaire, que je sache, de l'Union progressiste, encore moins du Bloc républicain. Nous soutenons les actions du gouvernement, comme soutiennent aussi les actions du gouvernement certains partis comme le PRD, comme Moël, comme
le parti de bien, ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire que nous ne sommes pas du tout dans une impasse juridique. S'il se confirme que le chef de l'État, comme je viens de le dire, homme d'ouverture, a demandé qu'on voit ce qu'on peut faire. Il n'a pas donné des injonctions. Il a demandé. Il a fait, je dirais, des suggestions. Alors, faire des suggestions ne veut pas dire imposer, instruire, loin de là. Et il se confirme, si vous observez tout ce que nous avions vécu pendant toute cette période, où les uns les autres, surtout en ce qui concerne les députés à l'Assemblée nationale, j'ai ri. Parce que des propositions ont été faites. Par qui ? Même pas ceux qui ne sont point concernés par ce problème de crise politique. Je parle maintenant de crise politique, puisque je dis qu'il n'y a pas de crise au niveau, sur le plan juridique. Ceux-là ont fait des propositions, je veux parler de l'Union progressiste et du Bloc républicain, alors qu'ils ne sont point concernés, pour montrer leur bonne volonté. Mais est-ce que le PRD a fait des propositions ? Alors que la mission a été confiée au président de l'Assemblée nationale. J'ai entendu dire tout à l'heure, confier une mission et mettre des bâtons dans les roues. Mais il ne fallait point accepter en ce moment de prendre le devant. Si tel est qu'il y a déjà des bâtons à mettre dans les roues, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne. Bref, ce qu'il faudrait, nous avions constaté qu'il y a eu un échec sur le plan politique. Et cet échec dont s'agit, il faudrait que nos compatriotes le sachent, c'est parce que des propositions réalistes ont été faites par l'Union progressiste, le Bloc républicain. Je dis solution réaliste. Pourquoi ? On veut aller aux élections qui sont prévues pour le 28 avril prochain. Alors que nous avons des délais bien précis conformément à nos tests, voté à l'unanimité par les députés, moins une voix. J'entends par là la charte sur les partis politiques, j'entends par là le code électoral. Ces tests ont été votés par les uns et les autres. Donc, voter, nous savons ce qui devrait être fait. Les élections fixées au 28 avril, il a été dit à travers la charte sur les partis politiques que la conformité va jusqu'au 16 mars. Mais la combinaison du code électoral et de la charte sur la loi sur l'achat des partis demande à ce que 45 jours avant que l'on dépose la liste des candidatures, c'est-à-dire du 21 février au 26, vous pouvez être en conformité sans pour autant vouloir aller aux élections. Et là, pourquoi là, vous nous envoyez en arrière. Parce je ne vois pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout le monde savait ce qu'il devrait faire. Devait prendre toutes les dispositions pour aller à compétition. Tout le monde a fait ce qu'il faut. Les tests n'ont rien. Je vous dis encore, aucun test ne devrait connaître en l'état. Ça peut connaître d'amendements plus tard. Mais en l'état, j'ai dit non. Puisque nous avions fait les choses dans les normes, nos représentants à l'Assemblée ont fait les choses dans les normes. Et quand on a eu cette rencontre des responsables d'institutions, y compris M. Mbeji, président de l'Assemblée nationale, représenté ici par M. Aoyo, il a fait partie, il a compris aussi qu'en l'état des choses, le PRD a accepté volontairement que l'on aille aux élections pour le 28 avril, puisqu'il y était. Il a donné sa caution et il est prêt pour cela. Et il est prêt également à travers sa présence pour que, ultérieurement, pour les prochaines élections, que l'on puisse, si on doit le faire, revoir les tests sur la chasse. La chasse sur les partis politiques et le code électoral. J'ai apprécié cette démarche de monsieur le président de l'Assemblée nationale. Je vous l'avoue, j'ai vu ça digne. Parce que c'est un homme. Je disais tout à l'heure qu'ils n'ont pas fait de proposition. N'ayant pas fait de proposition, c'est une manière de dire nous acceptons le verdict, d'une part. Et deuxièmement, y a une chose, oui. Deuxièmement, participer à cette rencontre avec les chefs d'institution, je vous avoue, c'est une. Le président de l'Assemblée nationale est resté fidèle à sa volonté du respect des tests. C'est un homme de droit. Et c'est en cela que, sincèrement, je l'approuve. Il a participé à cette rencontre. Il a applaudi ce qui aurait dû être fait.
pour montrer au peuple que c'est un homme digne qui a assisté, qui a approuvé. Ce devrait être à lui de lire la déclaration et non au médiateur en tant que président de l'Assemblée nationale. En tout cas, moi, je l'approuve et je trouve que c'est un homme vraiment d'État. Très bien. Il y a tout de même quand même, parce que nous sommes en train de parler de consensus, Christian Parfait Aouyo, Marino de Souza, il y avait déjà un consensus déjà au thème des travaux du comité paritaire, parce qu'ils se sont tout de même entendus sur trois propositions, et justement, même si 24 heures après, d'autres ont renié leur signature. Donc tout au début, il y avait déjà un consensus. Oui, vous avez raison si vous dites qu'il y avait déjà un consensus, parce que le comité paritaire, semble-t-il, a fait des propositions et s'est entendu sur un certain nombre de choses qu'il faut amener maintenant à la plénière. Le président de l'Assemblée nationale a justifié, enfin, président de ce comité, a expliqué sa démarche par le fait que le consensus qu'on leur a demandé de rechercher ne devrait pas se limiter aux acteurs politiques. Et donc, au-delà de ce comité, il a cherché à avoir les points de vue d'autres acteurs politiques non représentés à l'Assemblée nationale, plutôt ça, aux acteurs politiques non représentés à l'Assemblée nationale. Donc, il a rencontré d'autres, il aurait même rencontré des professeurs d'université et enfin, des experts. Les sachants, comme nous avons l'habitude de le dire. C'est une démarche que, personnellement, je loue. C'est pour dire, pour que ce qui va sortir ait reçu l'assentiment ou l'approbation de pas mal de gens, pas seulement des acteurs politiques. C'est une démarche que je loue. Maintenant, quand il est retourné avec, enfin, peut-être ce que les autres ont reproché, c'est qu'après ça, il ne devait pas prendre sur lui de retoucher lui-même le test qui a fait l'objet de consensus au niveau du comité avant de l'amener en plénière. Mais ça ne devrait pas expliquer, à mon avis, ça ne devrait pas justifier le comportement des députés de la majorité. C'est ce que soutenant l'action du gouvernement, je veux dire. Parce qu'ils ont prétesté de cela pour ne pas participer aux travaux. Comme les autres avaient fait. Nous, on appelait ça, moi j'appelle ça du dilatoire. En ce qui concerne, par exemple, le comité paritaire, par exemple, oui. Quand je disais qu'il y avait déjà un consensus, c'est qu'ils se sont entendus sur deux propositions dérogatoires en ce qui concerne la Chambre des partis politiques et le Code électoral. Tout à fait. Et ils se sont également entendus sur une proposition de modification de l'article 80 de la Constitution. Il y avait déjà un consensus au début, oui. Jusqu'à ce que il y a reniement également de est-ce que ce n'est pas le point de départ d'un certain nombre de distorsions, déjà la modification, quand on renie après avoir accepté au début, par exemple, parce que la minorité a renié par la suite la paternité, ou du moins avoir accepté, donc modifier l'article 80, par exemple. Est-ce que ce n'était pas le point de départ de cette distorsion? Bien sûr. Et c'est en cela que, bon, de ma position, moi je vois que aussi bien les députés de la majorité que ceux de la minorité ont joué à un jeu fou. Au point où nous nous sommes demandé à un moment donné si ces gens-là étaient sincères. C'est un jeu fou. On s'attaque à des vétilles et on prétexte de cela pour dire, bon, voilà, si c'est ça, bon, on n'avance pas. C'est ça. Il n'y avait rien. Pas grand-chose, en tout cas, pour justifier la position des uns et des autres, pour qu'après plusieurs semaines, on en vienne à une situation où on n'a pas pu trouver un consensus, on n'a pas pu s'entendre sur l'essentiel pour permettre que nous allions aux élections de façon conviviale, et comme on l'a toujours fait jusque-là. Et justement, Christian Parfait Aouyo, quand on n'en arrive pas à trouver un consensus, qu'est-ce qu'on devrait faire, par exemple? Parce que la session est terminée, la quatrième session qui est dédiée à cela. Lorsqu'on n'en arrive pas, est-ce que les responsables d'institution ne devraient pas assumer leurs responsabilités vis-à-vis de l'État? Alors, merci beaucoup. Il faut quand même qu'on restitue. Il n'y a que deux semaines. Si on perd la mémoire sur deux semaines, il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Il faut que les choses soient très claires. D'abord, Maître Migan, il n'y a pas eu, le chef de l'État n'a pas convoqué le 6 mars, ce n'est pas la date de recours. Le 6 mars, c'est le lendemain du 5. Le 6 mars, c'est le lendemain du 5. Il n'y a pas encore eu les recours à la Cour constitutionnelle. C'est le premier élément. Deuxième élément, la crise. Le 6 mars, c'était le jour de la rencontre du chef de l'État avec la classe politique. Tout à mais fait, je suis en train de rectifier que ce n'était pas là, après le recours. C'était bien après le recours. C'est après ça que le recours a eu lieu. On vient d'avoir
on n'avait même pas les notifications. Oui, tout à fait. Donc, que les choses soient très claires. Oui. Donc, on n'a même pas eu les notifications de la Sénat en ce moment avant de faire les recours. On a eu simplement reçu, les partis ont reçu, on a eu la déclaration. La déclaration, voilà, c'était tout. Et après, le chef de l'État ayant eu cette information, a convoqué la classe politique. Parce qu'il y avait une crise politique. À l'entame de mes propos, j'avais très bien dit qu'on était dans une difficulté des tests, mais nous sommes dans une logique de crise politique. Nous sommes dans une logique de crise politique. Ce qui s'est posé, ce n'est pas un problème de tests, c'était un problème politique. Et la rencontre du chef de l'État avec la classe politique, c'était bel et bien pour trouver une solution politique. À partir de cet instant, il fallait utiliser les moyens légaux pour retrouver la classe politique. C'est pour ça que le président de l'Assemblée Escalité a été convié pour pouvoir trouver le consensus au niveau de... Alors, ce que je voulais restituer aussi, le bloc républicain ou les députés du bloc républicain et de l'Union progressiste n'ont pas fait de proposition au comité. Ils n'ont pas fait de proposition. On a eu leur proposition que le 27 pour finalement conclure le 28. Que ça soit aussi clair. Ils n'ont pas fait de proposition. Ils ont adressé une lettre si à moi. Quand on est dans le comité parité... Ils ont envoyé une lettre pendant que tous les partis déposaient un mémorandum. Ils ont envoyé une lettre pour dire eux, ils n'ont pas de problème, que tout va bien. Roulez, madame la marquise. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Donc, à partir de cet instant, ils n'ont pas proposé. Et je vous ai dit, vous avez demandé pourquoi le PRD n'a pas proposé. Le PRD avait son document. Seulement que son président jouait un rôle de juge dans cette commission paritaire et ne pouvait pas se placer dans cette commission à défendre la position du PRD. Parce que d'un côté, deux de l'opposition et de l'autre côté, deux de la mouvance. Ceci étant, il n'était pas possible, et c'est ce que je voulais dire, qu'il n'était pas possible que nous ayons le consensus. Pourquoi ? Le comité paritaire a travaillé, et je prends les propos du président Idji, ils ont travaillé dans une belle ambiance, monsieur le président. Dans une ambiance de convivialité. Convivialité. Trois documents sont sortis. Une loi dérogatoire de la charte et une autre proposition de loi dérogatoire pour le code électoral. Le code électoral. Et puis, un papier agrafé avec un seul papier où on a mis modification de la Constitution avec. Et on a dit. En son article 80. L'alinéa 2 de l'article 80. Lorsque le président de l'Assemblée, président du comité paritaire, est arrivé devant la conférence des présidents pour soumettre ce rapport du comité paritaire, c'est la conférence des présidents qui nous a dit ça là, nous ne pouvons pas décider ici. Monsieur le Président, nous vous donnons mandat d'aller rencontrer la classe politique. Attention, c'est la classe politique, donc les partis politiques. À cette rencontre, il y avait tous les partis politiques. Sauf un. Bien. Et il était question, tous les partis politiques qui étaient là ont dit, nous sommes d'accord pour tout ce que vous avez écrit. Mais la modification de l'article 80, on n'en veut pas. Pour la recherche du consensus, et ils ont retorqué une partie de ce comité a retorqué le lendemain, après s'interposer, pour ne pas dire l'opposition, à travers Garba, Yaya et le président Éric Ounété, nous ne sommes... Qui étaient membres du comité. Du comité paritaire. Nous n'avons jamais proposé la modification de l'article 80. Mais quand on se réfère à la conférence, au point de presse, vous permettez, Christian Parfait-Ayo, mais quand on se réfère à la
au point de presse du président de l'Assemblée nationale, donc en ce qui concerne les travaux du comité paritaire, il a bien déclaré que le comité paritaire est donc Eric, bien sûr, vous permettez, il devait être solidaire. Il dit que le comité paritaire a reconnu, ou du moins s'est entendu sur les trois. On se comprend. Très bien. Le test n'est pas sorti des accuses de Jupiter. C'est eux cinq qui ont écrit ce test. Donc, ce que je veux démontrer aux téléspectateurs et à nos concitoyens, que la vérité soit bien restituée. Il s'est fait que la modification de l'article 80, subitement au sein de la classe politique, ne fait pas l'unanimité. Donc, le président a dit, qu'à cela ne tienne. Si ce n'est que ça, je l'enlève, et il ne reste plus d'autres que le reste sur lequel tout le monde s'entend. C'est ça qui ferait le consensus. C'est ça sa démarche. Et à partir de cet instant, au cours de la plénière, restituons les faits, personne n'a voulu prendre la paternité de cet article-là. Donc, ni l'opposition, ni la mouvance. Ce qui conforte le président de ce comité paritaire, on dit, bon, comme c'est venu par le truchement du Saint-Esprit sur le papier, par le même Saint-Esprit, je l'enlève. Très bien. Mais c'est lorsqu'il a dit que les boucliers sont sortis de conférence de presse tout de suite. Et puis après, on a vu les conditions posées. Et on a vu Jean-Michel Abimbola venir à la tribune, lire pour dire, c'est l'article 80 ou rien. Alors, lorsque deux semaines plus tôt, on a dit qu'on n'a pas proposé et que deux semaines plus tard, on dit que c'est ça ou rien, mais vous comprenez que nous sommes dans du dilatoire. C'est ce que je veux démontrer. C'est ce que je veux démontrer. C'est ça les faits. Très bien. C'est vrai que... On a les enregistrements. Puisque c'est votre avis, ils ont les leurs aussi. Ils ont également leur avis. Aujourd'hui, parce que là, on est un peu dans une rétrospection, effectivement, le consensus, comme le disait Christian Parfait-Aouyo, c'était parti pour ne pas être effectif véritablement. Mais quand on n'en arrive pas à un consensus, est-ce que les présidents d'institutions garants de nos tests en vigueur ne devraient pas prendre leurs responsabilités vis-à-vis de l'État? Maître Jacques Mégard, avant de vous retrouver, Patrice Mouyeba. Non, je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous souviendrez, en 2010, les chefs d'institutions s'étaient prononcés par rapport à la LEPI. Donc, ce n'est pas nouveau. Et comme je vous le disais tout à l'heure, et je remercie M. Aouyo, parfait, qui a dit une phrase que j'ai beaucoup appréciée, la solidarité du président de l'Assemblée nationale. C'est un juriste, c'est un homme qui sait lire et qui sait apprécier. Il a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, dignement les choses. Et à travers votre préoccupation par rapport aux responsables d'institution, il en est un. Donc ils ont apprécié tout ce qui s'est passé. Puisqu'ils sont autonomes, ils sont indépendants. Et nous l'avions toujours vu, qu'il soit président de la Cour suprême, président de l'Assemblée nationale, président de la Haute Cour de justice, de la Cour constitutionnelle. Je crois que représentant nos institutions, c'est des personnalités qui ont œuvré dans l'intérêt de la paix. Il ne faudrait pas que nous avons ce principe de vouloir rejouer le match alors que le match est déjà joué. Le commenter, c'est possible pour bien faire. Et c'est ce que les responsables d'institutions ont fait. Ils ont vu tout ce qui s'est passé, ils ont pris de recul, y compris le président de l'Assemblée nationale. Et M. Aouyo ne me démentirait pas sur ce point. Et c'est là où je dis, ce qu'ils ont proposé, c'est responsable. Et ça va dans leur intérêt. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai constaté que ces responsables d'institutions, comme ils ont eu à le faire en son temps, en 2010, lorsque le problème de l'EPI s'était posé, il fallait ou il ne fallait pas, ils ont pris leurs responsabilités et ça a sauvé la paix. Comme ça, nous sommes en train de semer la sérénité dans le pays. Et c'est fort de ça, d'ailleurs, vous constaterez que devant tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, vous ne verrez pas le PRD
dedans. Non, ils ne sont pas dans ces va-t-en-guerre. Et tout simplement parce que nous avons un homme qui sait lire. Et ce n'est pas la première fois que M. Mbouedi fait acte de bon responsable. Il vous souviendra en 2011, alors que les gens l'attendaient dans le va-t-en-guerre. Non, il n'a pas opposé le va-t-en-guerre. Il s'est comporté en bon démocrate, comme il vient de le faire encore à travers cette rencontre des responsables d'institutions. Pourquoi je dis tout cela? Nous sommes aujourd'hui sur la dernière ligne qui nous conduit vers le 28 avril. Il faudrait maintenant qu'on pense au pays. Le pays a besoin de sérénité. Le pays a besoin de tout ce qu'on appelle le calme, la paix. Et c'est fort de ça que je demande aux uns aux autres que la vie ne s'arrête pas là. Quand on me dit souvent les deux qui vont compétir, l'Union progressiste, le Bloc républicain, mais ils sont composés de qui? D'étrangers ou de Béninois? Ils m'ont dit, ils sont les partis privés du chef de l'État. Je dis, mais est-ce que les gens savent ce qu'on appelle l'action des députés à l'Assemblée nationale? L'action des députés à l'Assemblée nationale, c'est pour non seulement voter les tests, contrôler l'action du gouvernement. Et vous pensez que ceux qui seront demain élus pour accompagner notre pays à travers le vote des tests, à travers le contrôle, vous pensez qu'ils vont croiser les bras? Si ils ont pu faire des choses que nous avions beaucoup appréciées jusqu'à ce jour, moi je n'ai jamais arrêté de leur tirer chapeau, de les encourager, à commencer par le premier d'entre eux, M. Mbouedi. Donc je crois qu'il faudrait qu'il aille jusqu'au bout de sa mission et que dignement, cette mission se termine, savoir la mission que le peuple lui a confiée à travers la présidente de l'Assemblée nationale. Et c'est en cela que je remercie M. Parfait lorsqu'il dit qu'il est solidaire. Il a toujours été solidaire. Il faudrait que nos compatriotes sachent une chose, que si M. Mbouedi n'était pas d'accord avec ce qui se passe, jamais il n'aurait saisi la Cour constitutionnelle. Lorsque le dossier des uns et des autres ont été rejetés, en bon juriste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Ils ont saisi pourquoi? Parce qu'ils ont compris que nous sommes dans un état de droit. Et il faut faire confiance à nos juridictions. Étant dans un état de droit, lorsque la décision a été rendue, disant qu'ils ne peuvent pas compétir, confirmant ce qui a été décidé par la Sénat, vous avez dû constater, ils n'ont pas respecté. C'est en cela que j'apprécie vraiment et dignement la position de Maître Mbouedi, confirmée par M. Awoyo, représentant le PRD sur ce plateau. Très bien. Patrice Mouyeva, la poursuite du processus électoral, est-ce que nous sommes toujours dans la légalité? Oui, cher ami. Vous savez, je pense que avant de venir dans cette salle, pour cette émission, j'ai écouté sur une chaîne, dans ma voiture, un appel à une mobilisation, à la révolte. On en viendra. Arrêtons. Je voudrais revenir rapidement sur la question de l'échec du consensus à l'Assemblée. Mais il y a un fait que tout le monde ignore. Le premier acte d'un échec, lorsqu'on recherche un consensus, c'est la perte de confiance. C'est le premier acte. Tout le monde l'ignore. Tout le monde a oublié. Et il a rappelé, mon ami de la société civile, pendant que les cinq, sous la supervision du président de l'Assemblée, que eux-mêmes considéraient comme neutre et qui a été confirmé par mon ami Awoyo, ont sorti un document. Vous savez ce qui s'est passé? C'est parce que les deux qui représentaient la minorité ont été, dès leur retour, considérés par d'autres de l'opposition comme n'ayant pas fait du bon boulot, qui ont pris le contre-pied et commencé à dénier l'autorité du président de ce comité paritaire. C'était terminé, c'est-à-dire l'autorité du président Mbouedi, pour dire qu'il ne peut plus jouer ce rôle-là. À partir de ce moment, lorsqu'il y a perte de confiance dans un processus de cette nature, c'est terminé. C'est parti de là, il faut le rappeler. C'est parti de là, et c'est parce que, du retour, les deux autres se sont confrontés aux autres, non présents à l'Assemblée, mais de l'opposition qui leur dit, mais il y a ce troisième chose dans le truc que vous avez accepté là. Nous, on n'est pas d'accord que le lendemain matin,
pour être dans cette solidarité minoritaire. Et ils disent, moi, on ne reconnaît pas ça là. Alors, dès lors que les représentants des deux partis, UP et BR, n'ont ni contesté dans un premier temps, parce que c'est sorti. On nous a publié ce que les cinq ont sorti. Qui a commencé à renier ça? Mais c'est le camp de la minorité. Donc, ils ont remis en cause le travail consensuel de base. Dès lors que ce premier travail consensuel est remis, ça ouvre. C'est comme un mur qui laisse des fissures. Dès qu'une fissure s'ouvre, tout le monde rentre dedans. Quand ils ont dit, on sort cette partie-là, et que ça rencontre le consentement d'autres personnes, le président de l'Assemblée a tenu compte du fait que ce qu'ils ont, ils ont renié là, d'autres personnes que lui l'a consulté ont également renié ça. Lui se dit, je vais sortir ça. Mais pendant ce temps, d'autres qui étaient dans le même consensus ont le droit de dire, mais pourquoi vous sortez ça maintenant? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Tout consensus qui consiste à créer l'injustice vis-à-vis d'autres personnes en voulant régler d'autres choses, n'est plus consensus. Un consensus vise avant tout à faire des compromis et non des compromissions. Mais à un moment donné, personne ne voulait faire de compromis. Au contraire, on voulait gagner du temps. Parce qu'on a fini par comprendre qu'on voulait gagner du temps. On a commencé à dénier l'autorité du président Mbeki. Ensuite, on a commencé à dire que l'article 80, il ne faut pas le modifier. Mais vous avez des délais à respecter. Il faut faire des propositions réalistes. C'est pour ça que j'ai dit dans mon intervention au départ qu'à un moment donné, au lieu de faire des propositions qui nous amènent vers la solution politique, on a préféré faire du dilatoire pour gagner du temps. Très bien. Et qu'est-ce qui... Je vais vous dire. Je vais vous dire pour finir. Pour finir. Écoutez. Oui. Écoutez. Je n'ai jamais vu nos honorables députés aller défendre nos frères candidats au bac dont les dossiers ont été rejetés, qui n'ont pas pu participer au bac. Au nom de Dieu. Donc ceux-là ne sont pas des citoyens de notre pays qui ont fait la classe de terminale, qui ont subi les examens, mais qui n'ont pas pu participer au bac. Qui les défend? Qui appelle à la révolte pour qu'ils participent tous au bac? Nous devons savoir raison garder. Notre pays a des fondements. À un moment donné, nous avons choisi d'améliorer le système de gouvernance politique et partisan. Nous l'avons ensemble amélioré. S'il a des failles, mais nous l'exécutons jusqu'à ce que nous le corrigeons. Et c'est ce que les institutions nous ont rappelé. C'est la deuxième phase du communiqué. Le communiqué n'a pas dit il n'y a pas de problème. Il l'a rappelé tout à l'heure. Et ça, beaucoup ne le disent pas. Le communiqué des institutions, c'est de dire nous, nous veillons à ce qu'il y ait de la paix. Mais en même temps, nous ne serons pas responsables d'un état voyou où on ne respecte pas ce qui existe comme loi. Donc vous devez poursuivre dans le respect de la légalité et de la constitution, mais en même temps, vous devez continuer à discuter si tant qu'il y a des aspects qu'il faut améliorer. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense qu'aujourd'hui, chacun de nous doit, au-delà de tout, faire un petit feedback et se dire, quoi qu'on dise, cette difficulté ne date pas d'aujourd'hui. Ça aussi, ça passera. Très bien. Notre pays restera en paix. Nous irons aux élections dans la paix et la sérénité. Et en même temps, nous allons toujours nous retrouver. S'il y a des choses à corriger, nous les corrigerons dans un processus solidaire, comme quelqu'un l'a dit. Et en ce moment-là, personne ne se sentira exclu de la République. Très bien. Les acteurs de la société civile, vous avez appelé à des législatives plus larges. Vous avez effectué certainement des démarches. Qu'entend vis-à-vis des formations politiques de l'opposition et également. Qu'est-ce qu'on retient finalement? Apparemment, vos contributions n'ont pas aidé à ce que, par exemple, les forces de l'opposition ou de l'autre camp aussi puissent quand même s'entendre. Merci. Moi, je suis très attristé par le constat que nous sommes en train de faire tous. Là, c'est vrai, je ne suis pas ici en tant que représentant de la plateforme électorale, parce que c'est la plateforme électorale de la société civile qui a, comme à son habitude, tout de suite commencé à prendre des contacts, à approcher les acteurs politiques, aussi bien de l'opposition que de la mouvance. Nous avons été reçus par le chef de l'État. Et quand on a fait le tour,
On a eu l'impression. De toute façon, avec le chef de l'État, c'est clair. Nous avons vu un homme qui était dans la même disponibilité qu'on l'a vu quand il demandait aux acteurs politiques d'aller se rencontrer pour essayer de s'entendre, pour trouver des issues à cette difficulté-là. Au niveau des acteurs politiques, nous avons constaté que chacun tirait le drap de son côté. C'était ça. Chacun tirait le drap de son côté. Mais il y a eu des faits qui, sur lesquels la plateforme est en train de continuer de travailler, en tout cas. Parce que, quelque part, d'un côté, il y a eu ce qui a déclenché cette difficulté-là. C'est notamment parce que certaines formations politiques qui ont déposé les listes de candidature, ont déposé des dossiers pour avoir le récépissé provisoire, ce que l'on a voulu appeler le certificat de conformité, qui a suscité beaucoup de tollé, et l'ont été recalés. Pour certains, ça s'explique. Pour d'autres, d'après ce que nous avons entendu, ça ne s'explique pas. Nous avons pu entendre, par exemple, que il y a des, pour certains, ce qu'on a, on prend la DGI là, le quitus fiscal. N'a pas pu être mais délivré vient, parce que... Lorsqu'on en vient, par exemple, à cette mission confiée à Maître Adrien Ngwegi, pas le chef de l'État, concrètement, quel était votre rôle? C'est vrai que vous le représentez par la plateforme et vous l'avez dit, mais concrètement, qu'est-ce que vous aviez dit lorsque vous menez des démarches? Parce que, quand même, vous êtes allé voir, par exemple, les foscorie.vn, major. Concrètement, qu'est-ce qui... Dans la démarche, c'était d'abord pour comprendre... Mieux comprendre, mieux cerner les problèmes qui se posaient. Et comprendre davantage certaines situations, parce qu'au niveau des forces corrompues et émergentes, on a dit que certains candidats, on a délibérément retenu leurs quitus fiscaux au niveau de la DGI. On l'a dit. Ils l'ont dit. Au niveau de la DGI, on a dit, il paraîtrait qu'il y aurait un décret qui disposerait que si vous avez vous avez une situation avec la justice, et même si vous êtes en règle vis-à-vis des fiscs, on ne doit pas vous remettre votre document. On a entendu dire ça, la DGI, par exemple. Et nous avons dit, le décret en question, on a cherché, on a poussé la curiosité pour voir. C'est vrai qu'on ne l'a pas eu. On ne l'a pas encore eu. Et donc, par exemple, ces choses-là, nous importaient, on a voulu... voir clair, un peu plus clair dedans pour voir est-ce que c'est vrai. Si c'est vrai, c'est des choses sur lesquelles nous allons travailler après, parce qu'il faut... Mais malheureusement, le citoyen qui, même s'il est en prison et qu'il est en règle vis-à-vis des fiscs, il doit avoir un acte qui atteste que, même en étant en prison, il est en règle vis-à-vis des fiscs, entre autres choses. Mais, au-delà de tout, nous avons voulu jouer un rôle. Comprendre, c'est pourquoi on a fait un peu le tour. Il y en a qui ne nous ont pas... On a adressé des lettres, ils ne nous ont pas répondu. Et pour ceux qui nous ont répondu, les avons rencontrés, on a pu mieux comprendre la situation. Et quand on a rencontré le chef de l'État, nous lui avons dit ce qui était notre préoccupation, c'était qu'on reste dans la dynamique, on reste dans la logique qu'il a impulsée, de l'ouverture, pour qu'au bout du rouleau, il ne soit pas dit que c'est sous lui qu'on est allé aux élections en écartant les forces de l'opposition. Et on a trouvé un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a montré qu'il était disposé à jouer de sa partition, de son rôle, de son influence pour que ça marche. Mais nous savions également que nos amis de bloc républicain ou de l'Union progressiste qui sont censés soutenir son action, on a pu voir que tous ne lui obéissent pas comme de l'extérieur on pourrait. Tous ne lui obéissent pas au doigt et à l'œil, comme on l'entend dire dans le journal. Maintenant, nous sommes allés rapidement. Vous permettez, parce que nous égrenons les dernières minutes, malheureusement. Nous sommes allés après qu'il ait lancé, bien entendu, la mission qu'il a lancé, M. Chonard. Nous sommes allés après. Et donc, on a vu qu'il voulait que ça se passe bien. Je dis que les chefs ne lui obéissent pas parce que... Je suppose.
Non, enfin, non, bah, non, bien, non, c'est ce que, l'opinion dit, c'est ce qu'on entend, non, ce qu'on entend, et j'ai dit, non, non, suivez-moi, j'ai bien dit que ce n'est pas, contrairement à ce qu'on entend, parce que tel qu'on l'a entendu parler, est-ce que vous permettez, nous voulons entendre une seule personne, vous permettez, Patrice Mouyeva, Christian Parfait Aouyo, je vous prie, nos téléspectateurs voudraient entendre une seule personne. Merci beaucoup. Comme dans l'opinion dit, c'est le chef de l'État qui a la clé. S'il il parle à ses hommes, maintenant ça va marcher. Il parle à ses hommes, ça va marcher. Nous avons rencontré quelqu'un qui est disponible, qui est disposé, qui a dit, bon, j'ai lancé et je suis sous moi, on ne va pas faire des élections et on ne va pas sans impliquer l'opposition et tout ça. Donc nous supposons qu'il peut dire aux députés qui soutiennent ses actions, faites ceci, allez dans tel sens. Mais c'est pas ce que nous avons vu au niveau du comité paritaire, au niveau de l'Assemblée jusqu'à la fin. Il y a certainement l'indépendance au niveau de ma position, ce que j'ai vu, c'est ceci. En tant que acteur de la société civile, ce que j'ai vu, c'est ceci. Oui. J'ai vu d'un côté les députés du bloc de la majorité présidentielle qui, il y en avait même qui ont ce langage. Nous n'avons pas de problème, on a réussi notre examen, c'est les autres qui ont des problèmes, donc raison pour laquelle ils n'ont pas fait de proposition. Mais à l'intérieur, on a à la fin maintenant, la lecture que j'ai faite, moi, c'est que nous avons vu des gens qui se disent, en faisant le calcul, si on va aux élections sans les députés, les candidats de la minorité, c'est votre imagination. Si on va aux élections, ça donne beaucoup plus de chances à nos deux listes pour que nous soyons... Et donc ceux-là, dans le rang, dans les rangs, ceux-là n'ont pas joué franc jeu. D'accord, donc... Comment faire pour que la situation se bloque? Pour qu'on ait aux élections comme ça, c'est un peu comme ce qu'on a vu. De l'autre côté, nous avons vu, c'est ma lecture. De l'autre côté, j'ai vu des députés de la minorité qui sont en situation. Et que leur situation appelle d'eux une certaine posture. Mais c'est eux qui ont commencé à faire du dilatoire, qui ont commencé à réclamer la destitution de X, Y, de Joe, de Pierre, de tout le monde. Au lieu de venir s'asseoir et de demander bon, concrètement quelles sont les propositions, et les autres ont surfé là-dessus. Les autres ont saisi cette occasion pour créer, pour enfoncer le dilatoire. Et à la fin, on s'est retrouvé dans une situation où ça n'a rien donné. Très bien. Malheureusement, ça n'a rien donné, défaut de consensus. C'est ce qui a impliqué, je le dis, ce qui a certainement obligé. Parce qu'on est toujours dans le cadre constitutionnel, véritablement. Et malheureusement, on n'aura pas le temps d'aborder tous les aspects. Mais Christian Parfait Aouyo, l'opposition, la compétition est à deux maintenant. Le 28 avril, ça tient, puisque lorsque nous nous référons à ce communiqué issu de cette séance de concertation entre le chef de l'État et les présidents d'institutions, véritablement, mais qu'est-ce que devrait, ou du moins, quelle devrait être la réponse d'un démocrate lorsque ce communiqué vient, par exemple? Non, avec ce communiqué, nous sommes dans un déni de démocratie. Nous sommes dans un déni de démocratie. Le rassemblement. C'est quand même le problème. Ben écoutez, qu'est-ce qu'on veut faire? Élire les représentants du peuple? Et on prend une partie, on prend une décision qui exclut une partie? La démocratie n'est plus. C'est vrai qu'on est en train de respecter les tests. Vous allez me le dire. Oui. Je suis totalement d'accord. Mais je veux dire aux téléspectateurs et à nos concitoyens, l'apartheid, c'est écrit par les tests. Le système de l'apartheid, c'est les tests. Et toutes les institutions sont là. Pourtant, ça a été combattu. Ça a été combattu parce que c'est un système d'exclusion. Ce n'est pas une démocratie. Nous ne sommes pas dans le non, contexte. Non, c'est pour vous dire que... C'est juste pour montrer la comparaison. C'est vous dire que si vous avez des tests et que vous vous aboutez aux tests uniquement... Vous êtes un démocrate, je le sais. Oui. Ce que je dis, je ne dis pas que les tests sont mauvais. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire... Est-ce que vous les avez coordonnés? Je suis en train de dire, ce n'est pas moi qui vote. Non, c'est la majorité qui a voté. C'est la majorité qui a voté. Ce n'est pas moi qui ai voté. C'est la majorité qui a voté. Et quand la majorité vote, c'est la démocratie. Oui, quand la majorité. Laissez-moi finir. Oui. Laissez-moi finir. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits sur lesquels je n'ai pas eu mon temps d'antenne. Mais laissez-moi finir. On aura d'autres occasions. Pour que ça soit très clair, mm-hmm. ce que je veux dire avec précision, nous ne sommes pas dans un problème de test.
Nous sommes dans une crise politique. Et on a fait d'oublier cela. On a tout fait d'oublier cela. Il s'agit d'une crise politique et donc il ne faut pas apporter un légalisme qui n'a pas son sens. Il fallait... La légalité n'a pas son sens, vous dites. Il fallait pas, je dis, à la crise politique. Oui. Ne me prenez pas au mot. Il fallait pas trouver une solution de légalisme à un problème politique. Il faut trouver une solution politique. Et quand la solution politique n'est pas trouvée, elle est toujours possible. C'est ce que je suis en train de vous dire. Elle est toujours... Il y a pourquoi vous dites le prix? Le prix que nous voulons, le prix que nous mettons sur la table, c'est là, c'est notre démocratie. Très bien. Merci, le coût de la démocratie aujourd'hui, ça prend un coût sur le plan national. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Il ne s'agit pas de respect, non-respect, de test. On n'est pas là. On est sur une crise politique dont les solutions doivent être politiques. Et pour régler les solutions politiques, quels que soient les blocages, vous restez autour d'une table, vous trouvez la solution avant d'aller. Sinon, on ne maîtrise pas la suite. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Les autres auront un dernier tour pour finir, véritablement. Maître Jacques Mégan, d'abord. Non, je crois que nous sommes aujourd'hui dans la droite ligne qui nous conduit aux élections. Je comprends parfaitement, Monsieur Arroyo, à travers ses observations. Mais je souhaiterais qu'il comprenne que nous sommes dans un pays qui est... Il a reconnu d'ailleurs, et je l'apprécie, lorsqu'il dit que le test ne pose aucun problème et que pour des raisons politiques, il faille trouver des solutions politiques. C'est tout à fait pour lui... Quand il n'est plus dans la course, ça l'arrange et ça l'arrangerait. Non, nous sommes dans un État, dans un pays où la démocratie joue pleinement son rôle. La preuve, nous sommes là en train de discuter aujourd'hui. Ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que ce n'est pas parce que les uns ou les autres excluent, parce qu'ils n'auraient point rempli les conditions, les uns ou les autres ne pourraient pas participer aux prochaines élections, que c'est la fin du monde. Il faudrait qu'on ramène la balle à terre. Il faudrait que la paix que nous avions toujours connue continue à demeurer. Et c'est là où je disais tout à l'heure, toute l'admiration que j'ai pour le président Mbeki. Il se souviendra, M. Arroyo, lorsqu'il n'avait pas remporté les élections en 2011, les gens s'attendaient à ce qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Et vous êtes d'accord avec moi lorsqu'il a demandé aux uns et aux autres de se calmer. Et il vient encore de nous démontrer cela. C'est-à-dire, pas de va-t-en-guerre, pas de violence. Monsieur Rouyeva en parlait tout à l'heure en ce qui concerne certaines déclarations qui ont été prononcées aujourd'hui même, où j'ai entendu dire qu'on aille à soulèvement dans nos différentes communes. Je ne voudrais pas que cela se passe. Je demande à ceux qui prononcent de tels mots très forts de revenir à la raison. Nous n'allons pas opposer la violence à la violence. Nous ne sommes pas dans une brousse pour qu'on puisse parler de l'anarchie. Je souhaiterais que mon pays, que nous avions connu alors que de merveilleuses choses se passent depuis que le président Patrice Talon est là, nous vivons. Monsieur Arroyo vient de Porte-Nouveau et il a constaté que notre ville, notre capitale est en chantier. On a besoin de la paix pour construire demain. Et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est les promesses qui vont arriver. Promesses qui vont arriver, surtout en ce qui concerne le chômage. Le chômage, surtout le sous-emploi. Et c'est ce que nous devrions ensemble voir. Au lieu d'aller à la violence, au lieu d'aller à des morts qui divisent, qu'est-ce que nous allons faire pour que le sous-emploi qui occupe 70%, alors qu'on nous parle de chômage qui serait à 2,4%. Comment allons-nous faire tous ensemble pour régler ce problème? C'est de ça il s'agit, Monsieur Arroyo, Monsieur de Souza, Monsieur Omeva. C'est de ça il s'agit aujourd'hui. Très bien, merci. Nous avions tous compris justement, Marino de Souza, avant de retrouver pour finir. Oui, bien évidemment, il va s'exprimer. À cette étape, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je continue personnellement de nourrir l'espoir
que quelque chose peut être encore fait. Le génie béninois, vous quelque chose peut être encore fait. Le génie béninois peut encore s'exprimer pour que nous sortions d'une certaine manière de cette situation. Et donc, je vais continuer de nourrir cet espoir jusqu'au dernier moment. La deuxième chose, je voudrais saisir cette occasion pour lancer aux téléspectateurs et surtout aux plus jeunes cet appel à ne pas céder à aucun appel à la violence. À ne céder à aucun appel à la violence. Parce que nous entendons des choses, ce n'est pas maintenant, c'est pas aujourd'hui, ce n'est pas avant, hier. Depuis quelques semaines déjà, 2 semaines environ déjà, on entendait dire ça va, ici, il y aura ça. Non, c'est bien facile de dire des choses. Si vous l'avez, moi, j'ai fait le Togo. Et j'ai vécu un peu de ce qui s'est passé dans les années 93. Et donc, quand on a effleuré ça, quand on est dans des circonstances, des situations aujourd'hui où on entend certaines choses-là, ça fait frémir. Et donc, je voudrais saisir cette occasion pour demander et lancer vraiment un appel à toutes les Béninoises et tous les Béninois, en particulier les jeunes, de ne céder à aucun appel à la violence. Nous devons préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est la paix. Et avant de finir, je voudrais réitérer ce souhait, cet espoir que je continue de nourrir, que le génie béninois peut encore s'exprimer pour que nous ayons une issue qui nous permette d'aller à des élections plus inclusives et qui, comme d'habitude, reste conviviale. Très bien, merci. Patrice Mouyeva. Merci, cher ami. Je dois saluer nos téléspectateurs ce soir parce que vous savez, ce qui vient de se passer sur ce plateau simplement montre que nous pouvons toujours continuer à discuter malgré nos divergences. Et il faut avoir le courage de le dire. Je ne suis pas heureux que du dilatoire dans lequel certaines personnes se sont installées, nous en arrivons à une situation où nous devons ne regarder que le respect de la légalité. La solution politique a été cherchée. Je défie quiconque dans notre pays aujourd'hui dire qu'il n'y a pas eu des ouvertures pour la recherche de la solution politique. Cela a été cherché. Mais est-ce que aujourd'hui nous devons choisir la recherche à tout prix de la solution politique au détriment de la légalité, du respect de l'état de droit? La vraie question est là aujourd'hui avec les délais. Je veux bien m'aligner sur l'espoir de mon ami de la société civile. Parce que je suis jeune. Et je vais vous dire, moi personnellement, j'aime vaincre dans la difficulté. J'aime avoir une victoire dure. Mais écoutez, ce n'est pas à tout prix. Parce que je vous dis tout de suite, depuis quelques jours, quelques semaines, depuis le blocage de la solution politique, n'importe qui prend le micro et va vous faire des propositions, mais ce ne sont pas des propositions politiques. Tout le monde va parler de chef d'État qui doit aller toucher à tel ordre. Ce ne sont que des solutions légales qui vont faire du chef de l'État ce que des gens disent déjà, un chef de l'État qui fait un État voyou. Non, on ne peut pas. On ne peut pas, en voulant à tout prix aller à la solution politique, tomber dans une autre forme de crise. Nous devons rester dans un système de juste milieu pour préserver la paix. Et comme l'autre l'a dit, je veux le dire aussi, je suis jeune. Dans ce même pays, il y a eu des tests qui ont été votés par ces mêmes honorables députés qui n'ont pas arrangé les jeunes. Je n'ai jamais vu un seul appel à la manifestation dans toutes les communes du Bénin pour permettre et dire que ce test n'arrange pas les jeunes selon nous. C'est pour ça, marchons dans toutes les communes du Bénin. Je ne souhaite pas qu'on manipule aujourd'hui la jeunesse. Et que parce qu'aujourd'hui, ça concerne certains députés qui se retrouvent en situation de recaler, il faut appeler à la manifestation populaire. Nous regrettons tous la situation dans laquelle nous sommes arrivés. Il faut avoir le courage de le dire. Le chef de l'État en premier l'a dit publiquement. Nous le regrettons tous. Très bien. Mais nous ne tomberons pas pour autant dans une situation chaotique, dans une situation de non-respect des droits, des devoirs, de la légalité et de la constitution de notre pays. Très bien, je souhaite que chacun reste dans son couloir et que force reste à la loi et très à bien. L'État. Merci beaucoup à vous, Patrice Onyeva, membre de l'Union progressiste, Maître Jacques Migan.
membre du bureau politique du Bloc républicain. Merci à vous, Marino de Souza. Je rappelle, vous êtes administrateur électoral et acteur de la société civile. Vous êtes secrétaire général adjoint donc, de Africa Élections. Merci également à vous, Christian Parfait, à Oyo, membre du Parti du Renouveau démocratique. Je sais qu'il y a des aspects qu'on aurait pu aborder si le temps nous le permettait. En tout cas, mercredi politique se poursuit et donc nous allons nous retrouver certainement un autre mercredi pour en parler véritablement. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis aussi. Et donc, restez toujours fidèles au programme de E-Télé.